Maman, il m'a violée. Tais-toi. C'est de ta faute. Tu as vu ta façon de t'habiller? Sans l'éducation ratée, elle la tient de sa mère. Telle mère, telle fille. C'est de ta faute s'il t'a abandonnée enceinte. Peut-être même qu'il n'est pas l'auteur de ta grossesse. Tu parles en tant que qui? La parole ici est réservée aux femmes mariées. Tu n'en es pas une. Tu t'assois au fond et tu te tais. Tu n'arrives même pas à lui donner un enfant. Tu ne sers à rien. On lui trouvera une autre. Tant que tu ne cèdes pas, tu ne passeras pas. J'y veillerai personnellement. C'est vrai qu'elle est diplômée, qu'elle est qualifiée. Mais une femme à ce poste, non, c'est pas possible. Même pas en rêve. Il a raison de te battre. Tu parles trop. Comment une femme peut-elle répondre à son mari? Toi, tu vas te marier quand? Vieille fille. Toutes les autres sont déjà mariées. Tu es en train de rater ta vie. Pourquoi dépenser autant d'argent pour ses études? La place de la femme se trouve à la cuisine. Actrice, mannequin, miss, toutes ces artistes et des prostituées de luxe. Regardez-la, une femme chef d'entreprise, indépendante, elle ne sera jamais une bonne épouse. À part sa beauté, elle n'a rien d'autre à offrir. Belle et bête. À cause de quoi? 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 À cause de quoi?